J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes pleinement libre de l'esclavage du péché? Est-ce que vous avez permis que Jésus-Christ vous libère entièrement? Selon la parole, c'est indispensable. Dans Jean chapitre 8, Au verset 30. Nous lisons comme Jésus parlait ainsi. Plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Beaucoup de personnes ne comprennent même pas l'importance que tout doit changer dans sa vie. Dans Romains chapitre 12, les premiers versets, nous lisons Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il ne faut pas se laisser manipuler. Tout est fait pour nous manipuler, pour changer nos valeurs. Il ne cache plus le fait, beaucoup de gens qui contrôlent les médias, en tout cas dans d'autres pays, ils veulent à tout prix détruire le christianisme, parce qu'ils ne veulent pas changer de vie et ils se foncent de plus en plus dans l'impureté. Et comme les prophètes l'avaient prophétisé, ils appellent bien mal et le mal bien. Mais nous les chrétiens, nous devons avoir le courage d'être différent des autres. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. En fait, il faut le casser les pieds avec la vérité. Amen, 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 amen. Le simple fait de vivre de manière sainte, de vivre selon les commandements du Christ, ça dérange. J'aime déranger. Si ça peut pousser les autres à se convertir, à sauver leurs âmes, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je l'ai dit une autre fois, mais je voudrais le répéter. Trop souvent, il y a des gens qui prient dans les églises, qui demandent pardon pour leur péché, sans comprendre même ce que ça signifie, péché. Ils ne savent pas du tout ce que Dieu demande de nous. Ils ne savent pas ce qu'il faut éviter. Et ce qu'il faut faire. Beaucoup de gens qui passent des années dans des églises ne savent toujours pas. Ou ne comprennent toujours pas. Parce qu'ils ne lisent pas attentivement la parole du Christ. Ils ne lisent pas attentivement ce que les apôtres ont dit. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que tout le Nouveau Testament constitue les commandements du Christ. Jésus-Christ a partagé beaucoup de choses quand il était sur terre. Mais avant de monter en gloire, il a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et il a expliqué que ce serait par le Saint-Esprit qui leur donnerait le reste de ses commandements. Donc tous les commandements du Christ ne sont pas dans les quatre évangiles. Il faut lire tout le Nouveau Testament attentivement pour savoir ce qu'il veut vraiment. Le vrai chrétien, de toutes les manières, au moment de son baptême, renonce entièrement à sa propre vie. Il accepte de mourir à lui-même. C'est l'idée d'être enseveli dans les eaux du baptême. Il doit renoncer à ses propres ambitions, à ses propres idées. Mais beaucoup de gens, même sans lire la Bible une seule fois, commencent à enseigner. Et leur enseignement, on le trouve partout, sur l'Internet, Facebook et tout le reste, leur enseignement ne correspond absolument pas avec ce que le Christ a dit vraiment. Mais longtemps avant Facebook ou l'Internet, il y avait de faux apôtres qui allaient dans les églises de Paul, enseignant des choses qu'ils ne devaient pas enseigner. Paul est allé jusqu'à dire, mais ils enseignent un autre Christ, un faux Christ. Il donne un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Paul, il a dit carrément Mais ce sont de faux apôtres, des serviteurs du diable qui se sont transformés en serviteurs du Christ. Et nous voyons ça de plus en plus dans beaucoup de pays, dans presque tous les pays. Il y a carrément des sorciers, des marabouts. Des escrocs qui s'élèvent, ils se donnent des titres, je suis apôtre, je suis prophète, je suis pasteur. Ils ne connaissent même pas Jésus-Christ. Tout ce qu'ils disent, enfin, tout n'est peut-être pas faux, parce qu'ils se servent un peu de la Bible, mais ensuite ils ajoutent ou ils enlèvent, ils prêchent leurs propres idées. Et ils n'ont pas l'esprit du tout. Et ils mettent la pagaille dans les églises. Nous devons chercher à connaître ce que Dieu veut. Et nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant. Et évidemment, nous devons être prêts aussi a carrément donné notre vie pour Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes libres de l'esclavage du péché? Il y a toutes sortes de gens dans le monde qui ne sont même pas chrétiens. Ils veulent abandonner les excès d'alcool, ou la cigarette, ou la drogue, ou je ne sais pas quoi d'autre. Ils n'arrivent pas. Souvent, ils vont dans des centres, dans des hôpitaux pour être aidés. Et ça marche pendant un temps. Et on entend parfois, et trop souvent, la nouvelle que non, la personne est retombée la personne est même décédée en prenant trop de drogues. Jésus libère. Jésus libère par sa parole et par son esprit. Mais vous ne pouvez pas simplement venir dans une église et croire que tout sera bien. Il y a beaucoup de gens qui, qui passent des années dans des églises sans jamais recevoir son esprit, sans jamais être libérés en lisant, en méditant sa parole, parce qu'en fait, il ne trouve pas le temps. Il ne voit pas l'importance. Mais c'est indispensable. Lisez chez vous Romains chapitre 1. Galate, chapitre 5. Colossiens, Chapitre 3. Ces trois chapitres soulignent déjà énormément de choses que si nous ne les abandonnons pas, nous empêcherons d'aller au ciel ou d'éviter le châtiment éternel. Nous devons être libres de tout. Et nous devons suivre le Seigneur véritablement. Suivez-moi, il a dit, et je vous ferai pêcheur d'or. Qu'est-ce que Dieu le Père le désire de chacun de nous Il veut nous façonner à l'image de son Fils. Jésus-Christ était sans péché. Il était sans péché. Il a accompli parfaitement la volonté de son Père. Dieu désire que nous soyons sans péché, accomplissant son plan pour nos vies. Dieu a un plan précis pour chacun de nous, mais vraiment précis. Et il faudrait chaque jour chercher sa face pour être conduit véritablement. Je me suis converti à l'âge de 9 ans. J'étais prêt à faire tout pour le Seigneur, sauf prêcher l'Évangile. Je ne voulais absolument pas être devant d'autres personnes, même à l'école, devant les autres. Enfin, je préférais recevoir zéro d'être obligé de mettre debout devant une classe de personnes. Mais j'ai prié cette année, j'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à apprendre à jouer la clarinette. J'ai dit, Seigneur, si tu m'aides, je jouerai toujours pour toi. Et le Seigneur m'a aidé. À partir de l'âge de 12 ans, j'ai commencé à à jouer à des solos avec un ami qui était uh, un expert accordionniste. Et nous avons été invités, nous avons joué partout et entre les cantiques. J'étais obligé, quand même, de dire quelques mots. Plus tard, c'était assez des années après que j'ai été baptisé du Saint-Esprit avec le signe de parler en d'autres langues. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à vaincre la timidité et la crainte. Si on prie en langue avant d'aller évangéliser, le Saint-Esprit va nous aider à évangéliser correctement. Si on prie assez dans son recueillement personnel en langue, avant de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Le Saint-Esprit va nous aider et il va chasser la timidité, la crainte, et il va nous remplir de l'amour et de la sagesse de Dieu, de la force miraculeuse de Dieu. J'avais 15 ans quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Un homme par le nom de Doswell J. Smith a été invité à prêcher dans notre église. Il était un pasteur au Canada. Il avait plus de 5000 membres. Et son église avait envoyé... Plus de missionnaires et donnaient plus d'argent pour soutenir des missionnaires que n'importe quelle autre église dans le monde. Ils donnaient littéralement des millions et des millions dans les années 40 et 50, quand l'argent volait, enfin, avant l'inflation. Il approchait de notre Église et j'étais vraiment euh, saisi par le message. Il a posé la question, mais pour quelle raison est-ce que les gens ont le droit d'entendre le message de l'Évangile des centaines, des milliers de fois, quand tous dans le monde ne l'ont jamais entendu une seule fois, quand tellement de gens dans le monde. Elles n'ont jamais entendu, même une seule fois. Je ne pouvais pas dormir. Et j'ai commencé à passer énormément de temps en jeûne et en prière, disant, mais Seigneur, si, euh, si tu veux que je fasse quelque chose, il faut que tu me parles. Et un an après... Un samedi soir, dans une réunion de prière, le Seigneur m'a parlé. Il a mis la France sur mon cœur et je ne comprenais pas du tout. Parce que dans ma tête, je pensais aux Indes, je pensais à l'Afrique, je pensais à plein de pays qui auraient besoin du message, mais je ne pensais pas du tout à la France. Et j'ai eu même un doute. Pendant un certain temps. Mais après le lycée, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, il faut que je me prépare où est-ce que je devrais aller à l'école. Il m'a parlé de nouveau et m'a dit il faut aller à Springfield, dans la Missouri, dans l'université de l'évangile. En fait, cette école avait le nom université de l'évangile, mais ce n'était pas vraiment une université pour étudier la Bible. C'était une université normale chrétienne. Et là, je ne comprenais vraiment pas. J'ai obéi. Mais j'étais là uniquement trois jours et j'étais mal à l'aise. J'ai prié de nouveau. Et le Seigneur a dit Je veux maintenant que tu ailles de l'autre côté de la ville. Il y a une école biblique, école de théologie. Enfin, je ne disais pas théologie, mais c'était ça. Donc j'ai quitté l'université pour aller là-bas. Azul J. Smith avait dit dans ce message qui m'a tellement bouleversé Si jamais Dieu. Mais sur votre cœur, un pays. Visite ce pays en premier. Avant de vous préparer, avant de chercher le soutien et tout le reste, visite le pays. Mais j'avais pas d'argent pour visiter le pays, pour venir en France. Mais parce que j'avais fait les trois jours à l'université de l'Évangile. J'étais déjà... Euh, c'était prévu que je sois dans l'orchestre et dans la chorale. Ils m'ont demandé, si je voulais, aller avec eux en Europe l'été après. Et c'était payé. Dieu a ouvert la porte. Nous avons joué dans beaucoup de pays en Europe pendant... Euh, c'était pendant cinq, six semaines. Et euh, c'était magnifique comme voyage parce que partout où on passait, il y avait littéralement des milliers de personnes présentes. Et on avait même un évangéliste avec nous. Et beaucoup de gens se sont convertis. Mais en France, après euh, avoir joué à Rouen, bizarrement, les autres engagements ont été annulés. Mais j'ai eu tout le temps pour visiter un peu la France et pour rencontrer beaucoup de personnes. Donc, cela m'a poussé encore à croire que Dieu voulait vraiment que je vienne en France. Mais ce qui a vraiment ah, mis le comble à la chose, quand nous avons demandé de venir, déjà j'avais été pasteur aux États-Unis pendant cinq ans. Parce que pour être missionnaire dans notre mouvement, en tout cas, il fallait être déjà pasteur pendant un certain temps. Mais quand j'ai écrit... J'ai été contacté en disant, mais ils ne veulent envoyer personne en France. Si vous leur dites que vous êtes prêt à aller n'importe où ailleurs, vous serez accepté, mais non pas si vous parlez de la France. Mais nous sommes allés quand même voir le comité en disant que, préparés à dire que le Seigneur nous avait appelés à venir en France. Et si ce n'est pas en France, on va rester comme pasteur là-bas. Avant de rencontrer le comité, ou sur, en, en tout cas le même jour, on était surpris. Parce qu'on nous a dit qu'ils étaient tous ouverts pour nous envoyer. Parce qu'une dame, une femme par le nom... De Mme Kaufman. Nous avez vu de loin. Elle ne nous connaissait pas du tout. Mais elle s'est tournée à un de nos responsables en disant ce que vous voyez ce couple là-bas Ils vont travailler à Paris. Cela a ouvert la porte. Et ça a confirmé pleinement dans mon esprit que c'était la volonté de Dieu. Mais je répète qu'au début, j'avais passé un an, beaucoup de prières, beaucoup de jeunes, pour que Dieu me montre. Et après, ce que je devais faire. Dieu a un plan pour votre vie. Ce n'est peut-être pas pour aller comme missionnaire. Mais il veut que chaque croyant soit un gagneur d'âme. Est-ce que vous avez gagné des âmes depuis votre conversion? Selon le Christ en Jean 15, nous devrions porter beaucoup de fruits. Nous devrions gagner beaucoup d'âmes. C'est la volonté du Seigneur. Et celui qui demeure véritablement en Christ, Va gagner des armes. Mardi soir, notre frère John a prêché, c'était un bon message. Mais le Seigneur m'a poussé à dire quelque chose à la fin. J'ai dit si nous voulons être utilisés pleinement par le Seigneur, trois choses sont indispensables. Tout d'abord, nous devons nous humilier. Par le jeûne et la prière, nous devons nous humilier devant les hommes parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Dieu ne supporte pas les orgueilleux. Il ne supporte pas les, les regards hautains. Il abaisse. Des orgueilleux. Nous pouvons manifester l'orgueil de toutes sortes de manières. Ce qui est vraiment indispensable, nous devons être prêts à écouter les conseils Amen. et même les réprimandes Amen. sans réagir comme les gens du monde. J'ai mentionné le fait que c'est très important que si nous donnons des prophéties, il faut les donner humblement. Si vous êtes poussé à donner une prophétie, donnez la prophétie humblement. Ne commencez pas en parlant comme si vous êtes Dieu. Dites plutôt, j'ai un message de la part du Seigneur. Je crois avoir un message de la part du Seigneur pour quelqu'un ou pour toute l'Église. Alors, vous donnez le message. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que la Bible nous enseigne dans Corinthiens 14 que, que deux ou trois prophétisent. Et que les autres jugent. parce qu'on peut se tromper avec les prophéties. Et même parfois quand on ne se trompe pas, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé. Ça peut venir du cœur de la personne. Et il faut accepter ce que les autres ont à dire. C'est pas facile. De recevoir de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous dit, mais enfin, votre prophétie, ce n'était pas forcément anti-biblique, mais je n'ai pas ressenti que ça venait du Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, Paul dit, ne méprisez pas les prophéties. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce qu'il y avait déjà des prophéties qui n'étaient pas tout à fait correctes, qui n'étaient pas forcément entièrement guidées par le Saint-Esprit. Vous savez que ceux qui prophétisent peuvent faire l'erreur même de recevoir un message de la part du Seigneur, ils donne le message, mais au lieu de s'arrêter, ils ajoutent quelque chose de leur propre cœur, qui gâche tout. Qui gâche tout. Paul a dit ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses. Donc nous devons... Donnez les messages humblement et écoutez aux autres pour être sûr que le message s'accorde avec la parole et avec le Saint-Esprit. L'humilité est indispensable parce que si vous, pas, si vous ne restez pas dans l'humilité, Dieu va vous écraser. Il va fermer les portes. Je connais plus d'une personne qui ont commencé bien. Le Seigneur bénissait, leur donnait des miracles, des paroles qui ont vraiment bouleversé beaucoup de gens. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit n'était plus là pour les aider parce que l'orgueil avait pris toute la place. Dieu élève ceux qui marchent dans la sainteté aussi. C'est un autre point important. Dieu n'écoute pas les pécheurs. La Bible le souligne. Sauf quand les pécheurs se demandent pardon, là, où il écoute. Mais la Bible dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de toute iniquité. Je viens de recevoir la nouvelle de quelqu'un qui, qui était assez célèbre apparemment aux États-Unis, qui avait écrit même des livres, et la personne vient de se suicider. On ne connaît pas les raisons, mais on sait... En général, quand des gens sont poussés à faire de telles folies, il y a de l'incrédulité dans le cœur. Moi, je ne penserai jamais me suicider, absolument pas, même si j'étais dans le péché. Surtout pas si j'étais dans le péché, parce qu'il y a quand même l'enfer. Il quand même l'enfer. Il faut marcher dans la sainteté. Dans la sanctification, la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et le mot ⁇ se sanctifier ⁇ sanctification signifie se séparer. Je ne vais pas passer mon temps avec des ivrognes, à moins de leur parler du Seigneur complètement. Je ne vais pas entrer dans des affaires avec des non-croyants, sachant que la personne pourrait être malhonnête et je serai associé avec une telle personne. Je vais me séparer comme Dieu l'exige dans 2 Corinthiens chapitre 6. Je ne vais pas fréquenter une personne de manière romantique qui n'est pas un vrai disciple du Christ. Je ne vais pas penser au mariage avec quelqu'un qui n'a pas la même confession de foi et qui n'est pas vraiment engagé avec le Seigneur. Je m'adresse aux célibataires, je suis marié déjà. <laughs> Finalement, j'ai dit Dieu élève ceux qui marchent avec Dieu et qui écoutent. Qui écoutent. Nous ne devrions pas passer tout notre temps. Parlant, en demandant des choses dans la prière, il faut écouter. Il faut demander que Dieu nous parle. Dans Ézéchiel 33, Dieu a dit au prophète Tu dois écouter. La parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Trop souvent, nous essayons de faire des choses avec nos propres idées, avec nos propres paroles. Le Saint-Esprit veut parler au travers de nous. Dieu veut qu'on écoute et qu'on partage ce que lui a à dire. Les vraies prophéties dévoilent des choses et aident les gens à croire et à se convertir. La Bible dit, indique que théoriquement, tous peuvent prophétiser si tous sont remplis de l'Esprit Saint. Mais on doit être à l'écoute. Combien d'âmes est-ce que vous avez gagné depuis votre conversion? Est-ce que vous êtes vraiment libre de l'esclavage du péché vous-même? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là, vous n'avez même pas encore prié avec foi, demandant que Jésus Christ devienne votre Seigneur, votre maître, votre sauveur. Pendant que les yeux restent fermés, les fonds courbés, si vous avez envie À recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en, en élevant votre main. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci. 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 Je vous invite tous à vous lever, toute l'Église, restons dans une attitude de prière. Peut-être que vous avez besoin de prière pour une autre raison. Peut-être que vous avez besoin de guérison divine. Peut-être que vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue. Peut-être que vous avez besoin que le Seigneur vous aide à abandonner quelque chose et d'habitude mauvaise. Je vous invite à venir jusqu'au devant et nous prierons pour vous avec l'imposition des mains, comme Jésus l'a demandé. Si vous avez élevé votre main, Voulant accepter le Christ, venez aussi vers le devant, rapidement, avec foi, et le Seigneur agira. Le Seigneur agira. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main en premier, qui veulent se mettre en règle. Pensez très fort à Dieu, à Jésus-Christ, et priez avec votre cœur en répétant cette prière. Père céleste, j'ai besoin de toi. Je crois en Jésus-Christ. Il est mort pour mes fautes. Tu l'as ressuscité le troisième jour. Il est monté en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. J'ai besoin d'une relation profonde avec toi. Je te demande de, me, de pardonner tout péché, de me délivrer de tout péché, de toute habitude mauvaise. Montre-moi tout ce que je dois éviter. Montre-moi tout ce que je dois faire pour accomplir ton plan pour ma vie. J'accepte de mourir à ma propre volonté, à mes propres plans. Je désire te suivre, Seigneur. Purifie-moi entièrement. Donne-moi le désir d'être pur et saint. Remplis-moi de ton amour et de ton esprit. Conduis-moi par le Saint-Esprit. Que tout dans ma vie te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Priez aussi à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, priez à votre manière.